à toutes et à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va réaliser des petits accessoires de Noël. Voilà, il est l'heure, il est temps, oui, ça y est, c'est bon, c'est fini, Halloween est derrière nous. On est le premier week-end de novembre pour moi, quand je vous tourne cette vidéo, mais il est grand temps de faire Noël. Voilà, c'est tout. Suite à ma dernière vidéo, Pensomoe, ils m'ont proposé de recevoir d'autres articles. J'ai confirmé les articles que je voulais recevoir, le lendemain ils m'ont envoyé la commande et elle a mis 9 jours à arriver. Donc, on a deux petits trucs à faire aujourd'hui. On a déjà une petite décoration avec des petits... Oula, ouais, vous allez rien voir comme ça, ok. Bon, bah, voilà, désolé pour le reflet. Donc une petite décoration avec deux petits oiseaux, c'est marqué Peace, Love, Joy. Et on a plein de petits rouges normalement, de verts. Et de doré. Mais je vais ouvrir le paquet pour vous dire ça. L'avantage, c'est que bah, dans 5 minutes, vous avez le résultat du truc, quoi. Donc là, c'est le socle. Il est peint que d'un côté. Là, c'est pareil, c'est peint que d'un côté. L'autre côté, c'est couleur bois. Là, on voit qu'il y a une petite tache, mais bon, voilà. Au niveau des finitions, ça m'a l'air tout bien pas mal. Il n'y a pas de truc qui dépasse de partout. Au niveau de l'impression... Ça m'a l'air tout bien, tout bien. Je regarde juste, il y a de la colle vraiment de partout, partout, y compris dans les bords. Mais je crois que oui, donc ça va être un truc qu'il va falloir vernir. J'essaie juste d'enlever. Hop là! Ouais, ça colle de partout, y compris là en bas. Hop! Et en fait, une fois que c'est diamanté, eh ben, il vous suffit de le mettre dans le petit socle. Bon, je ne vais pas l'enfoncer maintenant, mais voilà. Dans le petit socle. Et du coup, ça fait une petite déco que vous pouvez poser comme ça. Hop. Je vais le renlever. Voilà. On a le toolkit avec la barquette, le petit pain de cire et un stylet sans multiplaceur. Et au niveau des diamants, alors, on n'a que du strass. On a un vert pâle, un vert foncé. Ah non, il y a des petites étoiles aussi. On a un doré orangé, un rouge, un vert foncé, un vert clair. On a des grosses demi-sphères orange-rouge et on a des petites étoiles. Ça, c'est pour celui-ci. Le suivant, c'est des cartes postales. Alors, on a le toolkit qui est exactement le même. Et ensuite, au niveau des cartes... Elles sont comme ça. Donc là, vous avez le côté à diamanter. Là, vous avez le côté qui va aller derrière. Et à l'intérieur, c'est juste marqué « Best Wishes ». Et vous avez de la place pour écrire. Et après, bah, il vous suffit de plier la carte. Donc là, on a un petit pain d'épices en forme de bonhomme de neige. Moi, je trouve que ça ressemble à des pains d'épices. Après, il y en a qui vont me dire « Ben non, c'est juste un bonhomme de neige, mais il est d'une autre couleur. » Moi, ça me semblait être des petits pains d'épices. Voilà, surtout que là, bah, on voit qu'il y a plein de petits pains d'épices dans la tasse avec plein de petites sucettes. Donc moi, ça me semblait être des petits pains d'épices. Donc encore un petit pain d'épices. Bonhomme de neige, mais avec une sucette pour celui-ci. Ensuite, là, on en a un qui est au rigolo. On en a un autre qui est comme ça. Et un dernier qui est comme ça. Donc là, vraiment, vous avez 5 petits bonhommes de neige. Hop là. Et au niveau des diamants, alors non, d'abord au niveau de l'impression, donc là vous avez de la colle qui dépasse aussi un petit peu partout là, je pense que vous le voyez assez bien là, avec le reflet. Donc tout ça c'est de la colle qui dépasse, donc si vous vernissez pas, ben, ça va coller à l'enveloppe. Ensuite au niveau de l'impression, je vois pas vraiment de problème, il y a pas mal de couleurs quand même hein, sur chaque truc. Hein. Parce que là je vois, et du 2, du 3, du 4, du 6, du 9... 5. Ah ouais, donc ça va être pas mal confetti quand même. Hein. J'ouvre juste ça. Donc au niveau des couleurs, on a du rouge, on a deux sachets. Hop là, focus-toi. Deux sachets de doré. On a un vert, on a un rouge un peu plus clair. On a un doré jaune bizarre. On a un transparent, on a un vert un peu plus clair. On a du bleu et on a un autre type de doré. Et ensuite, dans les diamants spéciaux, là, vous avez des demi-sphères vertes,
Des petites navettes AB, elles sont trop belles. Je ne sais pas si vous verrez le côté AB, non, absolument pas, vous voyez que des reflets. Et là, des plus grandes demi-sphères rouges. Donc, voilà pour les diamants. Et du coup, bah, on se retrouve tout de suite avec les produits terminés. Alors, on est quelques jours après, hein, puisque comme ça, j'ai eu le temps de tout faire et de vernir aussi. Même si j'ai fait une ou deux bêtises, parce que voilà, hein. Il faut en faire de temps à autre. Donc, déjà, au niveau des cartes postales, les bêtises que j'ai faites, c'est qu'en fait, il y avait un temps de mes deux, mais vraiment de mes deux. Et du coup, je savais que j'allais me ramasser le vernis dessus. Et du coup, j'ai mis des gants en latex. Ce qu'il ne faut pas faire quand on met du vernis, vu que ça tâche. Voilà, bref. Donc, la première petite carte, elle est trop belle. Alors, est-ce que j'arrive à vous enlever et que vous voyez quelque chose? Oui, voilà. Donc, là, du coup, j'ai verni. Pourquoi? Parce que, bon, sur celle-ci, c'est pas celle où vous allez mieux voir. Ouais, peut-être sur une autre. Je vous montre après pourquoi. Donc, la deuxième petite carte, est-ce que sur celle-ci? Non, pas vraiment sur celle-ci. Voilà, et du coup, bah, comme j'ai verni, il n'y a plus du tout. Ça ne colle absolument plus dans les bords, ce qui était le cas avant. Sur celle-là non plus, on ne va pas voir, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, bah, peu importe où on touche, il n'y a plus du tout. Ça ne colle plus du tout en fait. Et là, vous voyez une petite connerie, vu qu'en fait, j'ai touché avec le gant latex du côté où je vernissais et du coup, bah, ça tâche. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pour la prochaine fois. Et là, c'est là où j'ai fait la plus grosse bêtise. Donc ça, c'est de ma faute. Hein. C'est juste que bah, quand j'ai mis la colle, enfin le vernis colle, bah, je tenais comme ça. Hop. Et du coup, malheureusement, bah là, ça a touché avec le gant. Et là, vous voyez la colle qui dépasse à fond. Mais du coup, maintenant qu'il y a le vernis, bah, je peux toucher. Il n'y a pas de problème, ça colle pas du tout. Et le vernis que j'utilise, bah, ça se voit un tout petit peu entre la partie vernis et la partie non vernis. Mais franchement, j'allais pas vernir encore le derrière. Mais sinon, le reste, bah, voilà, une fois qu'elle sera pliée, hop. Il y aura le côté brillant ici et le côté pas brillant de l'autre côté, donc c'est pas dérangeant. Ensuite, on avait la dernière petite carte, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à l'écran maintenant le reste de diamants que j'avais pour ce projet, parce que j'ai déjà tout rangé, hein, je vous le dis. Mais le reste de diamants maintenant à l'écran. Donc il m'en restait vraiment largement de quoi faire. Hein. Ensuite, l'autre petit projet. C'était les petits oiseaux. Alors, c'est un petit pot. On dirait qu'il y a du houx vu qu'il y a les petites pointes rouges là. On avait de belles petites étoiles à mettre. Ça, normalement, c'était pas prévu, mais je trouvais rigolo de le mettre juste là. Et j'ai aussi verni vu que là, en fait, c'était tout collant ici. Et si j'aurais pas verni, bah, avec les poils des chats, laissez tomber. Et du coup, bah, là, tout est verni, tout a été mis. Et vous voyez que ça brille toujours autant vu qu'en fait, c'est un vernis brillant. Fini brillant, transparent. Et c'est en spray. Ensuite, je ne l'avais pas encore mis dans le petit machin, mais je vais le mettre avec vous. À l'écran maintenant, vous avez la photo des restes. Maintenant qu'il est tout beau, qu'il est fait. Voilà, donc on a le petit socle. Et du coup, on peut le poser et il tient droit. Alors évidemment, je ne vais pas le laisser comme ça parce que sinon vous ne verrez rien. Mais c'est juste une petite déco et du coup, bah, quand vous le posez, il tient droit. Voilà pour ceci. Comment je vais faire? Bon, vous êtes vachement loin pour le moment, mais c'est parce que j'ai encore réalisé autre chose qui vient de la même boutique que j'avais déjà reçue avant. Et c'est donc ma magnifique couronne. Oh, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé l'affaire, mais... mais... donc déjà, au niveau des très très grands, là, par exemple, j'avais vraiment... Non, toi tu vas venir là derrière, parce que sinon tu vas faire bugger mon focus. Au niveau des très très grands, j'avais tout pile la quantité. Et là, par exemple, celui-ci, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est un tout petit peu abîmé sur le côté. Ma foi, tant pis. Les verts, c'est pareil, j'en avais tout juste la bonne quantité. Dans les petits rouges qui sont là, j'ai pas eu de problème avec, si ce n'est qu'ils étaient légèrement plus grands que ce qui était prévu à placer. Donc, par exemple, ici, normalement, j'avais encore un petit strass blanc que je n'ai pas pu mettre, j'ai dû l'enlever parce que sinon bah, ça ne rentrait pas. Dans les grands rouges,
J'ai eu un petit souci, vu qu'en fait, il m'en manquait un pour mettre ici. Là, normalement, j'aurais dû avoir un grand rouge. Et je n'en avais pas assez, donc j'ai mis un jaune parce que ça, j'en avais assez. Mais par contre, vous voyez que j'ai le petit trait gris autour qui, normalement, aurait dû être un de ceux-là. Voilà, c'est juste le petit problème que j'ai eu là-dessus. Sinon, le reste, j'avais largement assez. Ça brille trop bien. J'adore. Et donc, il y avait les deux petits trucs pour mettre la chaînette que j'ai déjà mis. Et du coup, ça peut être suspendu à une porte. Alors, attendez. Hop. Voilà, donc à peu près avec les cartes. Et du coup, comme je vous disais, les cartes, là, vous avez des petits pains d'épices. Là, vous avez le côté diamanté. Et à l'intérieur, il y a de la place pour écrire et toujours marqué « Best Wishes ». Oups là, « Best Wishes ». Et c'est marqué ça sur toutes les cartes. Voilà, donc vraiment toutes les cartes sont exactement les mêmes à l'intérieur. Il suffit de plier un petit peu pour que ça reste fermé. Hop. Et alors il y en a beaucoup d'autres, hein. Je veux dire, c'était pas les seuls, les seules petites, les seuls petits designs. Mais moi j'aimais bien les couleurs neutres de ces petits pains d'épices. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Donc ça rentre dans le cadre de l'événement de Laetitia. Vu que pour Noël, elle fait un événement où il vous faut faire une toile de Noël ou sur l'hiver, ou alors un diamant, un DP à diamants spéciaux dont la couleur principale, pardon, est le rouge. Je vais y arriver. Donc du coup, celle-ci, j'avais pris exprès pour l'événement. J'ai encore des petits trucs à faire dans le thème de Noël parce que Letty m'avait justement envoyé un colis avec pas mal de petits trucs. Donc j'en ai encore. Je vais les faire au fur et à mesure. Mais là, vu que tout provenait de la même compagnie, je préférais mettre le tout dans la même vidéo. Et les petits trucs que Letty m'a offerts, je le mettrai dans une autre vidéo quand j'aurai le temps de les faire. Hein. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit ici ou sur Insta, j'y réponds très volontiers. Et en attendant la vidéo suivante. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP et n'oubliez pas le petit chocolat. À bientôt!